Bonjour, aujourd'hui on va discuter des produits sucrés, en commençant notamment donc par le sucre blanc. Ce sucre, on va l'ajouter dans nos boissons comme le café, le thé, dans les yaourts, sur les fruits, on en consomme régulièrement dans la journée et généralement on en consomme un peu trop. Donc on va voir justement aujourd'hui comment on peut remplacer ce sucre blanc par d'autres produits sucrants qui ont peut-être des calories moindres, ou un intérêt supérieur. Il faut savoir que le sucre blanc a un index glycémique généralement qui tourne autour de 60. Il faut savoir que le glucose, qui est le sucre de référence pour déterminer l'index glycémique, qui lui est de 100.